Hey, salut tout le monde, c'est Genis, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, merci. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau jeu encore sur la chaîne. On enchaîne les nouveaux jeux. Donc ça sera Body Cam, vidéo, petite vidéo, présentation du jeu. Donc le jeu est sorti le 8 juin 2024, édité et développé par Rezad Studio. Il s'agit de deux Français de 17 et de 20 ans, voilà, c'est très très jeune, qui, fans de jeux vidéo, ont créé leur jeu ultra photo réaliste. Donc c'est incroyable, hein. Le jeu il est insane. Je vous explique un peu les menus. Donc tout est en anglais pour l'instant. Je pense que bien plus tard il y aura une version française, hein, vu qu'ils sont français. Quitter les settings, voilà les menus. Je suis en épique partout, évidemment. Vous avez le lobby qui vous permet de créer votre escouade. Le rank, donc il y a des rangs mondiaux, voilà. Donc le premier mondial a 395 000 de score. Moi, mon rang est de 1000. Voilà, je suis encore un rookie. Et je suis 318 672 joueurs. Voilà. Vous avez le locker. Le locker, c'est un peu votre base. Vous pouvez acheter avec l'argent du jeu, donc les RR que vous avez ici, afin de customiser, custom votre... Ah oui, il y a des AK-47 et tout. Ah, c'est que du custom. Alors attendez, j'ai vu un cobra là. Ouais, voilà, c'est que du custom. Et vous pouvez acheter en fait différents différents skins pour votre bonhomme. Nous allons partir tout de suite. On va essayer de rejoindre un serveur. Il vient de démarrer, mais il n'y a pas grand monde. Ils sont 7 et c'est Team Deathmatch. Donc allons-y. On va tenter ça. Donc vous allez voir, le jeu est complètement mais déconnecté de la réalité, tellement que c'est réaliste. Donc là, je suis avec un drone. Les drones font partie aussi du jeu. Donc si vous arrivez, vous jouez avec des amis, c'est très pratique parce qu'en fait, ces drones vous permettent, comme dans Rainbow Six, de chercher les ennemis dans toute la carte. Donc ils sont ultra stylé à conduire. Donc là vous voyez la carte, c'est une plateforme pétrolière. Et là il faut chercher les gars. Bon, il y a un chat de proximité. Ok, il y a un mec qui est mort ici. À ce niveau là il y a l'impression d'avoir personne. Ah, ça tire. Bon, c'est un peu vomitif, hein, je pense que... Ok, on a gagné, il ne restait plus qu'un gars. On joue à 4 contre 3. Alors voilà, le jeu il est comme ça. Vous regardez les graphismes. Unreal Engine. Unreal 5, pardon, j'y arrive pas. L'anglais, moi ça fait 12. Hein. Hop, lui il est mort. Hein. Je lui ai arraché la tête. Oh, je l'ai vu au fond. Il était dans l'angle de mon viseur. Donc il est là-bas normalement. Parce que moi mon cadavre est ici. Vous le voyez là. Et le mec était ici, donc il a dû redescendre. Donc le jeu se veut vraiment très réaliste. Hein. Et en fait voilà, si vous tapez. Si vous tapez quelque chose avec votre drone, il se détruit. Et du coup, vous réapparaissez sur les caméras de vos collègues. Donc, il y a un chat de proximité dans le jeu. Moi, je trouve qu'il fonctionne pas vraiment. Parce que on entend vos potes très très lointains, je trouve. C'est pas encore très, très optimisé, ça. Donc, ils sont plus que... je ne sais pas. Ils sont plus que deux. Alors quand vous tirez, vous entendez les douilles tomber au sol. C'est vraiment... Voilà, vous voyez là, l'arme, c'est photoréaliste. Bon, quand on n'est pas habitué, c'est très vomitif. Hein. Que le système de caméra... Il l'a vu? T'as vu l'ombre? Et puis en 1 contre 1 ou en 2 contre 1 ou en clutch,
C'est super stressant. Que là, vous avez pas, il y a rien, il y a pas d'HUD. Hein. Vous avez juste, quand vous avez vos collègues avec vous, des carrés verts autour avec le pseudo qui vous montrent qui sont, parce que sinon vous tuerez nos collègues trop facilement. Et même des fois, vous avez le carré qui se décale. Et bah même là. Ah voilà. Notre collègue il s'est fait toucher. Et vous avez la trace de sang au sol. C'est-à-dire que si le gars en face sait qu'il l'a touché et qu'il veut suivre la trace de sang, il peut la suivre et le reparer comme ça. C'est hyper stylé. Après la map là est très très grande. Hein. Vous avez une map dans les bois, vous avez une maison, vous avez un terrain d'entraînement type les préfabriqués en bois là. Il y a celle-là. Et j'en ai pas vu d'autres pour le moment. Donc je vais essayer le. Là je vais parler un petit peu. Ah vous avez entendu le drone? C'est le. Voilà, son. On a entendu, mais je trouve que le son est très lointain alors que je l'ai mis à fond. Hein. Et il a toujours le. La trace de sang qui le suit. Hein. Ah, la trace de sang. Vas-y, là. C'est vraiment. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait. Ah, vous l'entendez tirer, l'autre. Il est vraiment, je pense, tout en bas de la zone de. Voilà, ça devient très très long, hein, mais. Il y a des... Oh, il est pas loin. Il est pas loin. Ah, il n'y a pas de timer, il n'y a rien. Hein, donc on ne sait pas où on en est. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ok, là on entend le timer. Qui dit que c'est bientôt fini. Bon, bah écoutez, ils se sont cherchés pendant 25 ans. End round. On a gagné le round. Alors pourquoi, je ne sais pas. On l'a gagné en tout cas. Allez, c'est reparti. Et à chaque round, vous avez une arme différente. Il n'y a pas de système de classe dans. Vous n'avez pas de système de classe dans le jeu. Alors, on va essayer de. Qu'est-ce que je sais que je suis mort ici tout à l'heure? Là il est. C'est un bordel, hein. Ok, je l'ai tué. Ok, fin de round, on a gagné. Bien joué. Vous avez les drones ennemis aussi qu'on peut détruire. Ok, voilà, là j'ai rechangé d'arme. Oui, c'est très réaliste. Hein. J'aime beaucoup. Ok, on est à 5 contre 5. Je sais que potentiellement il y a un mec qui va arriver par là. Ok, je l'ai vu. Vous l'avez vu aussi. Ah, je sais pas. Je sais pas où il était. On va aller voir.
Oh non! Oh, j'ai pété le drone. Fuck. Oh bon, on a gagné. On est à 2 kills pour 2. Ok, là on a un fusil à pompe. Je vais essayer de rusher là-bas. Parce qu'on est quand même assez près les uns des autres, hein, quand même. Ça court dans tous les sens. Ça va, ça va, ça. Vous l'avez vu sous les escaliers? On s'est entretué. On s'est entretué. Vous pouvez vous entretuer dans le jeu. Ah, le carré que je vous parlais, c'est celui-là. Alors, quand vous avez les drones ennemis qui vous cherchent et qui sont après vous, c'est ultra chiant parce que vous entendez plus trop grand chose. Alors, j'ai perdu ma touche pour monter. Donc, je peux que descendre avec le drone. Vous avez plusieurs vues, hein. Vous avez la vue nocturne parce que vous avez les maps de nuit aussi. Hein. Vous avez la. La vision. Ok, c'est gagné. Eh ben, c'est la première fois que je gagne autant. Alors, en vous le filmant, c'est magnifique. Alors là, on a une M4. On va essayer de bien gérer le truc. C'est pas évident, hein, quand vous tournez comme ça. Tourner trop vite, ça peut mal finir. Ah ouais, vous voyez là, la nuit arrive et là la map elle prend une autre tournure. Je ne vois rien, vous voyez rien. On est d'accord, hein. Nous sommes en pleine nuit et en fait les maps comme ça elles changent de. Elles changent vraiment d'ambiance. J'ai vu un mec là-bas, non? Je ne les vois pas, je ne les vois pas. Alors quand vous allumez votre lampe, évidemment, vous êtes remarqué à 25 milliards de kilomètres. Je sais qu'il est dehors. Je l'entends, je vois rien. Je vous le dis. Si vous voyez rien, c'est normal. Ok, le jour est en train de revenir. Non, je sais pas ce que c'est. On est tout seul, hein.
Là, je sais qu'il est en dessous. On va aller le chercher. Vous entendez le vent dans les oreilles, c'est incroyable. Je ne sais pas comment il m'a entendu, il m'a repéré. Il m'a vu, on recommence de nuit, pas évident. On est plus que 3 contre 5. C'est là qu'on chiale, hein. Un bordel sans nom. Ok, un mort. Ok, il spawn là-bas en fait. Il m'a vu avec le drone, je pense. Avec le drone, c'est un peu plus facile de les repérer, mais quand vous êtes dans le noir, comme la partie d'avant, c'est super. Je sais pas où il était. Là. Il est là. Il met la lampe dans la gueule. Alors, moi, je suis pas trop fan de. Des parties nuit, ça se veut ultra réaliste, hein, évidemment. Ouais, ça se veut très oppressant, comme tout. Hein. Mais c'est vrai que là, on voit rien, quoi. Le pire, c'est qu'on sait très bien que si vous mettez votre lampe, ah voilà, le jour est revenu. Ah voilà, le jour se lève. On a commencé la map dans le nuit, dans la nuit. Nous finissons celle-ci au jour. Et voilà, c'est pas la même chose, hein. Et c'est que deux petits développeurs qui font ça, hein, c'est vraiment incroyable. Le jeu est à 30€, je crois, sur Steam. Donc n'hésitez pas, hein, à vous le prendre. Donc la partie d'après, je sais pas combien de temps on est d'enregistrement. On est à 18 minutes. La partie d'après, je vais essayer de les parties. En espérant que la map soit un peu plus adéquate. On va. Je vais vous faire un non-commentaire. À chaque fois que je joue, je vais essayer de ne pas parler. Voilà, un en moins déjà. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on meurt, c'est vachement bien fait aussi. C'est très bizarre de dire ça, mais. Le personnage tourne d'une manière où vraiment c'est agréable de. Ok, déjà on a gagné, c'est cool. Allez, on est reparti. Ok, ils sont là-bas. Hein. On a changé de côté.
Lui, il est mort déjà. Hop, vous voyez comment je suis mort? C'est stylé. Enfin, c'est stylé, je suis mort, mais... Ouais, je suis décédé là. On s'est entretué, je crois. 5-6, on s'est entretué. En fait, ouais, le spawn est là et leur spawn est ici, donc forcément... Effectivement, c'est une mer bien calme à côté d'une... plateforme pétrolière. Je peux pas monter, j'ai pas la touche. Oh merde. J'ai touché le truc. Dommage pour nous. On va essayer de faire en sorte. J'espère que ces petites vidéos vous plaisent. C'est toujours sympa de jouer à d'autres jeux que Let Loose, hein, ça change un peu. En tout cas pour moi, hein, évidemment. Ce que ça donne pour l'instant, effectivement, vu que c'est une carte assez grande sur plusieurs niveaux, c'est pas évident de chercher l'ennemi. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait 7-3, on est en train de gagner, c'est cool, c'est le premier arrivé à 10, hein. Je vous l'ai pas déjà dit, mais c'est le premier arrivé à 10. On sait qu'ils sont là. Certainement monté. Ah non, on a gagné. Hein. 8-3, bien joué ça les gars. J'ai vu personne, c'est pas grave. Ah, on change de... On modifie les équipes pour... Ok, je suis toujours dans l'équipe qui gagne déjà, c'est pas mal. Pas sûr, je couvre l'entrée là-bas. Putain, le Apollo là, il est chaud. On a Uzi. Effectivement. Il vient me chercher, il vient me chercher. Ok, il est mort. Oh, GG. Ah, beau kill celui-là. Sympa. C'est bien, on a plein d'armes à tester, c'est plutôt cool. Let's go. Yeah. Come on. Oh, on n'a pas de viseur. Oh, c'est terrible. Oh, il est horrible le viseur. On est en train de le rouler dessus par contre. Ok, il est dedans. Il est là.
c'est au ralenti. Oh, c'est stylé. Ouais, on a gagné. GG, les gars. Quoi? Pas mal. Cool. On a gagné 110 de points. Eh, je suis passé du 300 000 à 145 000, les gars. Bravo, ça. Sympa. Donc, on se retrouve dans le lobby. Hop, 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 pas de musique. On verra si ça continue. Ok. Let's go. Et là, on peut sauter. Et là, je pense que ça va être du free-for-all. Début de carte. On saute. Et je vais essayer de vous... ok. Je ne vous commande pas ce match. Je vous dis à de suite quand je suis mort. Je suis mort. Ah. J'en ai pas tué un. Ok, il est là. Ah. Il m'a tué. Le salaud. Et on a un spawn. Alors on peut mettre général, private ou proxy. Ok. Ah. On va mettre général, on va mettre spawn. Parce qu'il joue pas, autant leur dire où il est. Et on a la vraie date, etc. C'est trop stylé. Voilà, on l'entend arriver. Il a quand même loupé. Hein. Il a quand même loupé la balle. Allez, c'est reparti. À de suite. Eh ben, c'est pas fameux cette mission. Ok. Ouais. Oh, c'est bien. Ah. On a lost encore. C'est pas évident. Ils vont venir nous chercher. Ils vont venir nous chercher. Donc moi, je vais rester par là. Je sais qu'ils vont venir ici. Pas de suite. Gagné, j'ai fait 2 kills en les attendant. Allez, on recommence.
Profitez. Putain de drone là, c'est insupportable ce truc, c'est terrible. Allez, on recommence, let's go. Faut tous monter en haut, faut tous monter en haut. Je ne sais pas comment je suis mort. Allez les gars, tout en haut, tout en haut. Allez go. La première cartouche, ouais, on s'est entretué. Ok. La première cartouche, je sais pas où elle était, mais c'était pas loin celle-là. Hein. Je pense que je l'ai tué parce que. Non, non, il est là. Alors, c'était son pote que j'ai tué, je sais pas du tout. Après, c'est vraiment un jeu où si vous mettez vraiment bien le game, ça peut mal se finir. Hein.
Donc vous prenez le dessus, les gars. Mais il n'y a pas d'HUD, il n'y a rien, vous entendez juste au son. Par rapport à la caméra que vous avez, par exemple, vous voyez là, la première fois, il m'a tiré dessus. J'ai vu que la cartouche avait touché le mur, mais c'était chaud, quoi. On va voir ce qu'il fait. Je vais vous parler doucement. Ça peut mal se finir. Il les entend. Ils sont dans le couloir à côté. Il sait qu'il est tout seul, en plus c'est le français. Allez, on recommence, c'est parti, mais ça sera de nuit. On a eu par derrière. De nuit, c'est ultra chaud, hein, vous le voyez. Hein. Je vois autant que vous. Hein. C'est du grand n'importe quoi. Hein. Éclairer la gueule. Encore, on aurait des. Je sais pas si on peut avoir accès à des visions nocturnes. Bah après, une fois que t'as des visions nocturnes, t'es complètement. Peut-être qu'il y en a qui en ont. Hein, je sais pas. En tout cas, voilà. La carte de mon pote. Nous ne voyons rien du tout. Let's go.
C'est bien joué ça. On les a rushés, on a réussi à les avoir assez rapidement. Allez, on y retourne, mais ça se... En plein jour. Dire où il était là. On l'a repéré pour notre pote au moins. Ils sont deux, ils vont réussir à gérer. Hein. Allez, on est reparti. Hey, c'est nice ça. On est bien en train de revenir là. Let's go, j'ai trouvé ma petite partie là. Allez, go. Nice. Ça c'est pas mal hein. Je vais continuer à passer par là. Ouais, quoique avec cette arme là, c'est de la merde.
On va suivre nos potes un peu là. Allez. Le salaud. Il m'a tué. Ah, c'est perdu. Dernier round. Allez, commande. Jamais se finir. Incroyable. Let's go. Tenter de faire le fifou.
Loupé. 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 Oh merde. Attends d'aller le chercher. Cette vidéo se termine ainsi. Au moins vous aurez deux. Ouais, du coup je suis descendu, j'ai perdu des points. Vous perdez, vous montez à chaque fois que vous gagnez ou vous perdez une partie. Hop. On va quitter le lobby parce que les fois c'est rage un peu. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. À liker, commenter et surtout vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, j'en ferai d'autres. Je vous dis à la prochaine, c'était Janice, ciao ciao.